la prière. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Mettons debout pour prier. Et c'est Ravelo, Zagorami, Zarami Mola, Iel Varome. Zaro, Maro, Ravo, Varazo. Et c'est Rami Morebana Ujeloi, et Surumi Varo. Dieu dit de te dire qu'il combattra tes combats. Il combattra tes combats. Tout Aman dans ta famille, tout Aman derrière ta vie, Aman doit mourir. Dis Aman doit mourir. Dis mon père, oh Dieu, toute personne dans ma famille, hors de ma famille, qui conspire contre ma vie, qui conspire contre mes enfants, qui conspire contre ma destinée, qu'elle tombe au nom de Jésus. Qu'elle tombe au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie avec autorité. S'il te plaît, prie avec autorité. Au nom de Jésus, on a prié. Donne-moi un main comme le tonnerre, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. La Bible dit que Aman est allé consulter des marabouts pour jeter le sort, pour tuer Mardoché. Nous allons prier. Toute personne dans nos familles qui a pratiqué la sorcellerie contre nos vies, nous allons détruire cela. Nous retournons à l'expéditeur. Tout ce qu'on a dit contre toi depuis le ventre de ta mère, jusqu'à cet âge, ça n'arrivera pas. On va annuler ça ce matin. Il y a des gens qui ne se marient pas à cause des décrets de sorcellerie contre leur vie, des pratiques de sorcellerie. La sorcellerie est un fléau. Vous savez que même le gouvernement aujourd'hui au Cameroun, on reconnaît la sorcellerie comme un délit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Hein? Comme une faute, c'est pénal, je crois même. On condamne les sorciers, on les juge, c'est dans la loi. Parce que même le gouvernement s'est rendu compte que les pratiques de sorcellerie nuisent à la société. Dis mon père, toute personne qui a pris mon nom, ma photo, mes cheveux, quelque chose qui m'appartient, pour aller faire des gris-gris, consulter des marabouts, pratiquer la sorcellerie contre moi, contre ma famille, je retourne ça sur la personne et sur son marabout. Ouvre la bouche, mon ami, prie avec autorité. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus, on a prié.
Nous allons prier que toute porte fermée dans nos vies soit ouverte. La porte du palais, la dimension, la dispensation royale, tu dois entrer là-bas maintenant. Je n'entends pas Amen, je n'entends pas Amen. Écoutez, est-ce que quelqu'un... Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour entrer, passer dans la royauté, dans la royauté? C'est la grâce de Dieu qui le fait, mes amis. Dis mon Père, oh Dieu, toute porte fermée dans ma vie, qu'elle soit ouverte, que la porte de la royauté soit ouverte devant moi maintenant. Au nom de Jésus, je prie que la royauté se manifeste dans ma vie, qu'une grâce royale me soit donnée. J'entre dans mon palais, je prends possession de la dimension royale dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, ouvre la bouche et commence à prier. Que les portes fermées devant toi soient ouvertes au nom de Jésus. Sera 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 Osperam lo asarame esperam sera osperazo sai nau labana uta la ferazo malaki anau tali murabi nau tolos men evros Cantera, 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 cantera. Père, nous ouvrons les portes fermées devant nous. Les portes de la royauté s'ouvrent devant ton peuple à Berthoua. Et dans le monde entier, Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés en direct. Ta main puissante agit. Ta main redoutable se manifeste. Dans le nom de Jésus. Bariana ou l'eau. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Donne-moi Amen comme le tonnerre, s'il te plaît. Maintenant, nous allons faire un dernier sujet de prière. Vous savez, parfois, nous travaillons comme des éléphants. Nous avons le salaire des fourmis. Beaucoup de gens vous diront ça. C'est ce qu'on appelle la malédiction des citernes crevassées. C'est pas comme si tu recueillais de l'eau dans un panier. Nous allons prier pour nos finances. Que Dieu bénisse tes finances. Lorsque Esther est entrée dans la royauté, la pauvreté est finie. Tout ce qu'elle faisait lui appartenait, lui réussissait. Est-ce qu'on peut prier pour cela? Seigneur, visite ma vie. Visite ma vie. Visite ma destinée. La prière.